aujourd'hui, on est entre nous, on est entre passionnés de l'excellent Charlie Christian. Cette vidéo, elle ne va pas faire beaucoup de vues, c'est certain. J'avais déjà fait un tuto sur le très grand Charlie. C'était un solo qu'on avait analysé, un solo qui me semblait simple, mais la dernière partie était un petit peu rapide. Alors, le solo de Shivers aujourd'hui, il y a plus de notes, ça c'est clair, il est un petit peu plus long. Il va y avoir de la rythmique, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, mais il n'y a pas de passage ultra rapide. Le style de Charlie Christian, il est inspiré des instruments avant. Donc en fait, il a essayé de reproduire avec sa guitare ce que les instruments avant faisaient. Saxophone, clarinette. Il a des longs phrasés mélodiques qui vont dépasser des mesures qui sont un petit peu asymétriques. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les notes super mélodiques tout au début de la mesure avec la conclusion du phrasé sur la fin. Lui, il va déborder et il va y avoir des notes comme ça qui vont être répétées. Donc là encore, on a une note longue. Donc à chaque fois, la dernière note, en fait, c'est une note qui est comme un point d'interrogation quelque part. On a envie d'entendre ce qu'il va y avoir après. On se dit, il va y avoir autre chose. C'est pas, il résout jamais véritablement. Mais alors, quand il résout, c'est vraiment magnifique. Et c'est la phrase, en fait, que je vais vous proposer aujourd'hui. Si vous faites votre gamme majeure pentatonique, si vous utilisez la pinta majeure, mais vous allez enlever exprès donc le si bémol à la troisième case sur la corde de sol, donc ça va faire comme ceci. Ça va vraiment sonner Charlie Christian. Et ensuite, vous allez doubler des notes de manière un petit peu arbitraire. Ça va être un petit peu ce style-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ces phrasés qui sont un petit peu imprévisibles. Et on a ce rythme comme ça de swing où c'est que de l'accroche stricte. Et quand il s'arrête, c'est toujours à un moment où c'est un petit moment de questionnement musical ou harmonique, on va dire. Le phrasé final, eh bien, on va suivre toujours, puisqu'on est en la bémol, une triade de la bémol majeur. La phrase en question, donc, elle faisait... Donc, on a ce petit arpège majeur. Vraiment, on ne peut pas faire plus majeur, le la bémol. Là, on va avoir quelque chose de différent. On va avoir le chromatisme. Et ce chromatisme, c'est typique de ce style bebop. Alors, encore une fois. 8, 9, 8. Petite triade majeure. De la majeure, vous devez la connaître, celle-là, j'espère. Donc, vous faites... On va réunir la quinte et la tierce, ici, comme ça, avec le chromatisme. Mais au lieu de faire ça, qui va être trop simple, ou trop prévisible, on va l'amener un demi-ton en dessous. Et ça, c'est vraiment excellent. Si vous avez voilà, cette rythmique avec le lassisme, vous avez le motif bebop par excellence. On revient donc sur la gamme mixolydienne et la pinta. Donc, faites bien le swing, hein. Là c'est vraiment important. Le slide 7, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 5. Pour revenir sur l'arpège majeur. Reviens. Sur notre tierce majeure, on revient vers la sixte, sur notre pentatonique, et là on va former, vous le reconnaissez, notre la majeur, la bémol majeur. Donc la phrase entière, ça va faire... Il va falloir l'apprendre, mais chaque note a vraiment son importance pour créer eh bien, cette mélodie très très riche. La phrase entière depuis le début, donc elle va démarrer en fait le temps est sur cette note-là, hein, sur la 11e case. 1,
et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Vous avez cette grille en La bémol. La bémol 6, c'est un blues en La bémol. La bémol parce que les cuivres sont... jouent dans cette tonalité-là. Ils peuvent jouer dans d'autres tonalités, mais en tout cas pour la guitare, on a rarement des choses en jazz et dans les vieux blues qui sont en La ou La mineur, La majeur. C'est en général un petit peu plus bas et je trouve que le son est beaucoup plus doux et moins, les cordes d'une certaine manière sont moins tendues et virtuellement on est désaccordé un demi-ton plus bas. Donc c'est très sympa. Bon, allez, on y va avec les accords. Donc La bémol 6, le quatrième degré, Ré bémol 7 et le cinquième degré, Mi bémol 7. Donc sur cette grille-là, eh bien, vous avez le thème. Donc ça, il va y avoir un petit travail de travail du swing ou de compréhension du swing. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait, ça va être une triade, hein, triade majeure. Il va jouer autour. Si vous souhaitez télécharger les tablatures au format PDF et Guitar Pro compatible toutes versions pour pouvoir le travailler lentement, eh bien c'est possible, vous ouvrez la description de cette vidéo. Je vous ai fait la transcription intégrale du solo. Pour vous remercier de votre support, eh bien je ne vous ai pas fait juste la transcription du solo disponible, téléchargeable à tous ces formats, mais vous avez également le tutoriel complet de tout le solo. On va absolument tout analyser, y compris cette rhythmic swing. Très très sympa, et le passage mineur. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est vrai que ça aurait pas logé, ça aurait fait une vidéo trop longue. Et vous savez bien que YouTube ne référence plus les vidéos longues, du moins si les gens les regardent pas jusqu'au bout. Donc voilà comment ça fonctionne aujourd'hui, mais on a vu quand même pas mal de petits trucs sympas là sur le style Charlie Christian. Ce qui est bon à savoir, c'est que j'ai fait une autre vidéo sur le style de Charlie Christian. Donc comme ça, ça fait deux solos qui ont été couverts sur cette chaîne. C'est pas grand chose, mais je vous assure que j'en suis fier. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto guitare. Bye bye.